Yo tout le monde, c'est Kylira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Gravewood, un jeu où nous allons incarner un enfant qui va se balader dans une école à la suite en fait d'une disparition d'autres élèves et le prof n'est clairement pas cool et va essayer de nous tuer. Vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Le jeu me fait penser un petit peu à Hello Neighbor. Il va falloir survivre bien évidemment au prof, il va falloir se cacher, retrouver les élèves mystérieusement disparus malheureusement. Ok, alors attendez. Là on rentre dans le vif du sujet direct. Hop. Regardez, il y a les petits vélos ici. Ah, mais il est là. Attendez, on commence à peine, le prof est là? Mais le problème. Merde. Déjà, je fais des bêtises. Bah. Ah, ok. Il faut le maintenir. J'ai peur qu'on se fasse gauler. Mais genre dès le départ en fait. J'écoute les bruits, mais j'ai l'impression qu'ils restent tout le temps dans la même pièce. Ok. Donc là, faut se cacher, et bien évidemment, le professeur arrive. Donc c'est scripté. Hein. En fait, on a vraiment les battements de cœur dès qu'il est pas loin. Oh, mais quelle angoisse, les amis! Quelle angoisse! Oh là là. J'espère qu'il va pas me choper. Est-ce que j'attendrai pas pour essayer de comprendre son pattern? On va où? Utilise l'artefact. Mais attendez, attendez, attendez. Mais attendez, l'artefact, je vais l'utiliser genre contre le mur? Pour casser certains murs et portes. Un guépeur! J'ai peur! Ah, il m'a chopé! Il m'a chopé, bien évidemment! Mais ça l'alerte de ouf, en fait, dès que je fais ça. Oh! Cette fois-ci, ça a changé le truc. Ah, ça change à chaque fois, dès que je meurs. Oh! Mais là, ça va être tendu de ouf. Oh là là, j'ai vraiment pas beaucoup de... En fait, je sais pas comment sortir parce que je me dis, j'ai un temps limité de fou. Est-ce que je ferais pas ça? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? J'espère que j'ai de la stam, les gars. Oh, si j'ai pas de stam. C'est sûr qu'il m'a vu galoper de gauche à droite, là, c'est sûr. Je suis foutu. Il n'y a pas d'autre mot possible. Il m'a pas vu? 289. Alors, c'est fou, j'étais à côté du tableau qui donnait le code. 289. Mais où est-ce que je mets ça, moi? Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que je peux y aller? Ah non, c'est juste qu'il y a des trucs cachés. C'est trop stylé. Je regarde. Je suis où là?
Find the main. Use the hammer to break window. Ah, les security cameras, si je peux les péter. 289. Ok. On va y aller tout doucement, hein. On y va doucement, on y va doucement. Là. Merde. Alors là, les gars. Je sais que pour vous, vous êtes en train de crier là, dans la vidéo. Mais Kiki, c'est par là, c'est par là. Et moi, je suis en mode, je sais pas où c'est. Merde! Merde! J'ai paniqué, c'est trop tard. J'ai paniqué. Par contre, j'ai entendu ouvrir une porte, je crois. Ah oui, c'est des casiers. Il ouvre peut-être les casiers. Ah, s'il ouvre les casiers, c'est foutu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu alors qu'il a ouvert mon casier. Il m'a pas vu alors qu'il a ouvert mon casier. Il va pas rester là maintenant. Ah! C'est bon. Ok, et là je vais attendre là comme ça il me voit plus. Mais quel enfer! Quel enfer! Je vais attendre ici comme ça il pourra pas me choper tout de suite. Il va se barrer. 289. Peut-être que je peux juste taper dans le mur qui est là, non? Je me dis, ça se trouve. Je cherche trop compliqué, ça se trouve. Mais me dis pas qu'il arrive. Putain, mais si. Mais qu'est-ce qu'il fout là? On va jamais y arriver. Hein. Oh bah trop tard. Oh dommage. Par contre, c'est trop stylé que ça change à chaque fois comme ça. Erin. Oh, je tente des moves, hein. Faut qu'il aille dans l'autre sens maintenant. J'ai peur. Bon, il va me choper. Oh, mais je vais pas y arriver là. Par contre, c'est un enfer. Qu'est-ce que je viens de faire? Ok, encore un audio. Mais alors du coup, est-ce que les audios, je les ai perdus ou pas? Je peux regarder pour taper sur les murs. Il doit y avoir des clous, des trucs que j'ai pas vus. C'est sûr et certain. Il y a des trucs que j'ai pas vus. I'm an office drone IRL in real life.
And mysteries are just a hobby of mine, so I won't be able to investigate this particular case right away. Oh putain. I'd love to go on leave so that I can focus on the case, but I've already used up my vacation time for the year. Anyway. Oh non! J'avais l'impression plus que la pièce d'à côté elle était ouverte. Ok. Okay. Ça c'est destructible, non? Ça c'est destructible. Mais comment je le détruis? Faut que je teste un truc. Ok. Du coup, ça me permet de sortir. Attendez, je vais casser des trucs. Hein. Ah ouais, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que lui, du coup, il est grave alerté en mode bon, bah c'est bon, elle est là quoi. Quoi? Mais depuis quand il peut sortir lui maintenant? Ah zut! Ah, mais attendez, c'est de pire en pire. Regardez, maintenant il y a des. Oh, les niveaux changent au fur et à mesure qu'on. Bah qu'on y passe, hein, très clairement. Mais vu que là tout est coincé, comment je fais? Ah mais ça y est. Je suis tellement mauvaise qu'il me donne des indices au fur et à mesure. Là il m'a donné maintenant un tournevis. Cocktail plus... Oh, c'est les indices. C'est quoi, ça? Ah, quand il me grabe, maintenant, je peux lui balancer un spray. Presse F. Donc, ça me laisse la une possibilité d'escape. Par contre, l'artefact, j'ai envie de l'utiliser sur une porte qui est loquée. Hein. Genre la porte du bureau. Me dis pas qu'il va sortir. Putain! Est-ce que ça marche? Oui! Mais putain! Quoi? Mais... Mais attendez, mais quoi? Non mais attendez... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il va me choper pour la 10e fois. Oh, c'est un truc de ouf ce jeu. Bon les amis, on va s'arrêter là très clairement parce que là, le jeu aura eu raison de moi. J'ai galéré de ouf et je n'ai même pas réussi à m'en sortir. Les amis, n'empêche, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On va peut-être se retrouver pour une partie 2, hein, parce que là, je suis très déçue de ne pas avoir réussi à me barrer tout simplement de cette école. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!